Cette capsule s'adresse aux pêcheurs de doré qui n'ont pas beaucoup d'expérience de cette espèce-là. Souvent, quand on commence au niveau de la pêche au doré, on apprend à pêcher ce poisson-là à la jig. Mais honnêtement, si je devais choisir une seule technique pour pêcher le doré l'été, disons de la mi-juin jusqu'à la fermeture, ce serait la pêche avec des marcheurs de fond. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer de façon simple comment pêcher avec un marcheur de fond. Euh, D'abord, c'est important d'avoir un équipement adéquat. Okay. L'équipement idéal pour ce type de pêche-là, honnêtement, c'est un lancer lourd. Je ne rentrerai pas dans les considérations techniques qui font que c'est un meilleur choix, sauf qu'on peut très, très bien se débrouiller avec un lancer léger. Souvent, euh, quand on est un pêcheur qui débute, on n'a pas plein de cannes à pêche. On a une, une, une ou deux ou trois cannes à pêche lancées léger. donc il faut pouvoir se débrouiller avec ça. Ce que j'ai en main ici, c'est une canne qui a entre 6,5 et 7 pieds de puissance moyenne. Ça, ça fait très bien. Au niveau de l'action, si vous devez en acheter une juste pour faire ça, Modéré ou modéré rapide, c'est parfait. Mais on peut très bien se tirer d'affaire aussi avec une action rapide, ce qui est beaucoup plus courant sur le marché. Vous pouvez aller par exemple du côté des cannes Fenwick, HMX ou HMG, qui sont des super bons produits à prix très abordable. Moulinet, pas de considération particulière à ce niveau-là, sinon d'avoir un moulinet qui est pas trop gros, pas trop petit, bien balancé pour votre canne, pour que ce soit agréable et confortable à pêcher avec. Exemple, pour aller avec la canne que je vous ai dit, un Fluger Supreme, par exemple. On va avoir un prix raisonnable. Ensuite, la base de cette technique-là, le marcheur de fond. J'en ai un ici. Euh, ce type de marcheur de fond-là n'est pas beaucoup connu des gens, mais c'est super commode. Puis, particulièrement, si vous débutez avec cette technique-là, vous ne voulez pas vous encombrer d'un paquet de stock, hein, d'un paquet de matériel de pêche. Ces marcheurs de fond-là ont le plomb interchangeable. Donc, au niveau du rangement, ça ne prend pas de place, puis c'est super commode à travailler. J'ai une petite, euh, petite barrière de caoutchouc que je lève. Ensuite, je peux glisser mon plomb puis le changer. La règle de base, quand on pêche au marcheur de fond, c'est qu'on doit utiliser une once par 10 pieds de profondeur. Donc, si je pêche dans 10 pieds de profondeur, je vais mettre un plomb d'une once. Mais si plus tard, je décide de prospecter des zones plus profondes, comme par exemple 20 pieds, bien, en quelques secondes, avec ce système-là, je peux changer mon plomb puis en mettre un cette fois-ci de deux onces. Donc, c'est super commode. On n'a simplement qu'à glisser le plomb à l'intérieur. Il y a une petite barrure, on va l'entendre clipper. Ensuite, on descend la petite pièce de caoutchouc et on est prêt à pêcher. Derrière la marcheur de fond, c'est le harnais à verre qu'on va mettre là. Typiquement, il va avoir trois à 4 pieds de long. Euh, au niveau des cuillères, il y a plein de possibilités. Mais le modèle le plus polyvalent, à mon avis, c'est avec une petite cuillère de type Indiana, comme j'ai ici. Hein? Là, je l'ai pris rose, puis c'est pas un hasard. Étrangement, la couleur rose est souvent très bonne pour le doré. Vous devriez avoir aussi dans votre arsenal quelques-uns de couleurs euh, Fire Tiger, Chartreuse, euh, couleur argent aussi. Ce sont des bonnes couleurs pour les cuillères euh, du harnais. Au niveau des hameçons, deux hameçons à la fin du harnais. Euh, la façon classique de procéder, c'est de mettre un verre de terre là-dessus. Moi, je pêche très, très peu au de terre avec des verres de terre. Je trouve qu'il y a beaucoup de désagréments. Euh, on salit les mains, on salit l'embarcation. Euh, S'il fait chaud, ils viennent tous... Presque mort, là, en piteux état. Ça fait pas des belles présentations. S'il y a des petits poissons autres que ceux qu'on recherche, exemple perchaude, crapet, euh, barbotte, euh, poisson blanc, euh, ce genre de petits poissons-là vient grignoter les vers de terre, coupe notre vers de terre en deux pour ne pas une belle présentation du tout. Moi, je préfère travailler avec des leurres artificielles. Il y en a un que j'utilise beaucoup dans les eaux un peu plus foncées qui s'appelle le Killer Crawler. En euh, fond, c'est couleur vers de terre, mais avec du orange dessus ou avec du chartreuse dessus. Ça, ça fonctionne super bien. Puis, quand l'eau est plus claire et la visibilité est très bonne sous l'eau, je prends un modèle avec un coloris plus naturel, comme le crawler 4 pouces. C'est avec ça que je travaille. Euh, au niveau de la technique, c'est une pêche qu'on fait à la traîne lente. Si vous utilisez un petit moteur hors-bord, ça va souvent être à la vitesse minimale que vous pouvez aller avec votre moteur hors-bord. Donc, euh, entre 0,8 et 1,5 milles à l'heure. Ça, ça vous donne une idée précise. Si vous un moteur électrique, c'est encore mieux. On peut le faire silencieusement avec le moteur électrique. Puis on peut être précis sur le réglage de la vitesse. En eau peu profonde, prenez la précaution de faire des S, disons 10 pieds de profondeur et moins. Là, faites des S pour sortir votre leurre de, dessous l'embarcation. Donc, ça, ça devient vraiment plus efficace. Puis au niveau du ferrage, il y a une petite particularité. Hein? Supposons que l'embarcation, on est en situation de pêche j'avance dans votre direction. Là ma canne ne sera pas perpendiculaire au bateau, mais légèrement vers l'arrière. Puis quand je sens la touche, je recule la pointe de la canne à pêche vers le poisson pour une seconde ou deux, puis ensuite, je fais vers l'avant. Ce n'est pas un ferrage puissant à deux mains, pas avec une technique comme ça. Simplement avancer la canne vers l'avant assez rapidement. C'est des petits hameçons pointus. Ça pénètre facilement dans la chair du doré. Après ça, vous n'avez plus qu'à rentrer votre poisson, remettre tout ça à l'eau, puis recommencer. Donc, technique... Simple, vous allez voir, quand on le fait, on se rend compte qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est super efficace pour capturer du doré durant l'été. Bonne pêche et à la prochaine.